Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super. Yeah. Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo quiz Dragon Ball Z en compagnie de Ludivine. Comment vas-tu? Ça va, coucou tout le monde. Coucou tout le monde, tu vas voir. Alors, je vous explique un petit peu le concept, les amis. Un quiz entre moi et Ludivine. Je le rappelle pour ceux et celles qui ne le savent pas, Ludivine, c'est ma femme. Hier, on était à table, voilà, on avait un petit débat, tout ça sur du Dragon Ball, tac tac, on se posait des questions, etc. Puis je dis non, c'est si, elle me dit non, c'est ça, machin. Elle dit bah, tu sais quoi, on va faire une vidéo quiz Dragon Ball et on va voir qui a le plus de connaissances. Là, autant vous dire que je me suis dit clairement. Pourquoi tu rigoles? Parce que tu vas perdre. Bah, bien sûr que si. Donc voilà, en gros, je pense, honnêtement, que j'ai un peu plus de connaissances qu'elle. Elle pense avoir des meilleures connaissances que moi. Eh bien, on va voir ça. Non, je pense avoir des bonnes connaissances, mais pas les meilleures que toi. Toi, laisse tomber. Bah donc, t'es en train de dire que j'ai déjà gagné d'avance. Non, non, j'ai jamais dit ça. Bah si. Non, je peux te piéger. Oh, mais c'est jamais. Tu peux me piéger. Je peux te piéger. Viens me piéger. Attention, ouais. J'ai réfléchi les questions. Viens me piéger. Et tout pour te piéger exprès. Viens me piéger. Les amis, t'as réfléchi les questions. Ah ouais, qu'est-ce que je pourrais lui poser comme question? Je vous explique. Hier, on a commencé à regarder une série. Elle était avec un stylo et un papier. Non, mais cherchez. Je dis, tu fais quoi? Je fais des questions, tu vas voir demain en vidéo. Je dis, wesh, mais calme-toi. Regarde la série. Non, je prépare la vidéo. Et à marquer. Donc, je sais pas. Sur une feuille et tout. Sur une feuille et tout ça. C'est un délire. Hein. Voilà. Là, je sais pas à quoi m'attendre. J'espère qu'elle va pas me causer une colle. Hey. Attention. Bref, les amis, max 2 pouces bleus sur cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas également à vous abonner en activant la petite cloche. Ça fait toujours plaisir. Tu commences ou je commence pour les questions? Vas-y, vas-y, commence. Allez, vas-y, je commence. Vas-y, vas-y, commence, commence. Alors, j'avais réfléchi une première question. Vas-y. Alors, dans Dragon Ball. Oui. Ah oui, Dragon Ball. Bah, on va pas parler de City Hunter. Mais non, mais ça peut être dans Dragon Ball Z, Dragon Ball Super. Ah d'accord, ok. Normalement, t'as même pas besoin de me dire que c'est Dragon Ball. Mais tu vois, je t'aide en plus. Allez, vas-y. Alors, dans Dragon Ball. Oui. De quelle façon meurt le grand-père de Son Goku et comment s'appelle-t-il? Non mais attends, c'est quoi ce... Il y a deux questions dans la question. Non, je m'en fiche. Il y a deux questions dans la question. Je croyais que t'étais un connaisseur. Mais alors, ton savoir. Alors, je t'explique mon savoir, je vais répondre très facilement à ta question. Vous savez, Sylvie Pitcher, Sylvie. Mais par contre, vous voyez bien les gars, elle me carotte. Elle me dit, elle a posé deux questions dans une question. Alors déjà. J'ai été gentil. Franchement. Ok. Mais... Le grand-père de Goku, il s'appelle Son Gohan. D'où le nom du fils de Goku qui s'appelle Son Gohan en hommage à son grand-père. Tiens, tu vois déjà ça. Et comment il est mort, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Ok. Il est mort quand Goku s'est transformé en Ozaru, malheureusement, il a tué son grand-père sans le vouloir. Alors? Alors? Ouais, c'est pas mal. C'est ça ou c'est pas ça? C'est pas mal. C'est pas mal, c'est moi, ça lui arracherait la bouche hein, de dire là. C'est pas mal, c'est pas mal. Tu peux faire mieux. Comment je peux faire mieux? J'ai raison, comment je peux faire mieux? Bref, à moi maintenant. Moi, ça va être simple. On commence tout doucement. Je stresse, attends. Je vais être gentil. Dans le film Fukatsu no F, la résurrection de Freezer, comment se nomment les deux personnes de l'armée de Freezer qui vont le ressusciter? Je sais le premier, attends. Il y a Tagoma, il me semble. Ok. Le deuxième, attends, laisse-moi réfléchir. Laisse-moi réfléchir. Ah bah réfléchis, mais réfléchis pas trop longtemps non plus, on va pas passer la journée. Sorbet, je sais plus. C'est ça. Ah, tu vois? Oh putain, je suis contente. Tagoma et Sorbet. Tiens, alors. Okay, très... D'accord. T'ouvres-moi ta bouche là. Ah, c'est comme ça. Ouais. D'accord, on va commencer à aller de plus Allez, en plus. Allez, pose-moi tes questions là. Bah non, vas-y, c'est à toi maintenant de me poser. Hey, le premier qui perd, on arrête la vidéo, il l'aura perdu. Donc j'espère que ça va pas durer une heure non plus quand même. Non. Voilà, vas-y, let's go. Alors, un partout. Deuxième question. En sachant que j'ai répondu à deux questions dans sa question. Là. Non, ma, c'était, facile, c'était facile. Bref, vas-y, allez. Alors, dans DBZ. Oui. Quand Goku s'apprête à faire son Kamehameha téléportation. Kamehameha téléportation, ok. Ouais, face à celle. Oui. Qu'est-ce qu'il crie en voix française? Et comment
nomme le comédien de doublage. Mais il y a deux questions encore. Mais tu te tais, tu écoutes. Il y a deux questions encore. Et alors, comment se nomme le comédien de doublage qui fait la voix de Goku? Mais ça, tu me prends pour un peintre ou quoi? Alors, attends. Parce que, alors, déjà, le comédien, c'est Patrick Borg. D'ailleurs, ça va, c'est pas trop difficile. Il avait dédicacé mon poster Dragon Ball FighterZ quand j'avais remporté le tournoi Dragon Ball FighterZ lors de la Paris Games Week il y a 3 ans. Et, donc encore un grand merci, c'était dédicacé par Brigitte Lecordier, Patrick Borg, et j'irai même encore plus loin, chère madame. Ouais. La voix de Vegeta, c'est Eric Legrand, ok? T'aurais pu le rajouter, parce que comme madame fait plusieurs questions dans une question... Tu le savais. Bref, voilà. Donc, Patrick Borg. Après, j'ai pas tout saisi, là. Ta question, tu m'as dit le Kamehameha de téléportation, ouais, face à Cell. Quand il fait le Kamehameha de téléportation, en fait, oui, face à Cell, oui, il crie à haute voix quelque chose. Qu'est-ce qu'il crie? Son attaque. Ouais. Ah oui. C'est ça ta question arrête, piège. Arrête, il m'énerve avec son sourire. C'est ça ta question piège, chère madame. On a grandi, nous, avec Dragon Ball, d'accord? Non, on tu sait... vas pas savoir, non. On sait qu'à la base, normalement, Goku aurait dû crier, et il le dit en version Jap Kamehameha, mais en version française. Lumière! Lumière infinie! Mais non, mais c'est pas possible. Alors? C'est ça ou c'est pas ça? Mais c'est toi qui as fait Dragon Ball, en fait. C'est pas... Je me suis dit, va pas trop. Mais t'as cru t'étais où ici? Mais non, mais c'est abusé. Mais t'as cru t'étais où là? Tu es à mon tour maintenant. Ah non. Mon tour. Les gars, ma crise de pouce bleu. Voilà, lumière infinie, elle croyait qu'on allait oublier ça. C'était tellement une catastrophe qu'on peut pas oublier de toute façon. Bref, let's go. Moi, je vais te poser une question. Donc on va commencer à monter un peu crescendo. Vas-y. Lors, à la... enfin, avant le retour de Freezer, quand Trunks il arrive, à la fin de la saga de Namek, voilà, à la fin de la saga de Namek, il y a Yamcha. Oui. Il habite où? Réfléchis maintenant. Yamcha, il habite où? Après la saga de Namek, où il vit? Où vit-il? J'attends. J'attends. Laisse-moi réfléchir. Bah réfléchis, vas-y, on va pas mettre un chrono. Hein. Vas-y, perds comme ça, voilà, ça sera la fin de vidéo. Chez Bulma. C'est chez Bulma. Et même, il y a Vegeta. C'est ça? C'est chez Bulma. Non, je me suis... Non? Bah si, c'est si, ça. Si, c'est ça! Yes! C'est moi qui vais vas-y, gagner. Comment ça se fait? Je crois que je l'ai trop formé, les gars. Je l'ai trop formé à Dragon Ball. Non, c'est que j'ai trop regardé. Donc oui, c'est une bonne réponse. Yamcha vit bien sous le toit de Bulma. Bulma qui est son ex-compagne. Et oui, du coup, elle s'est mise en couple par la suite avec Vegeta. Autant, c'est quand même un peu chelou, tu vois. T'as l'ex avec le nouveau qui commence un peu à fricoter avec Bulma qui lui fera un enfant qui va s'appeler Trunks, tu vois. C'est vrai que ça reste un peu chelou, hein, mais bon. Oui, bref. C'est vrai. Bon, après, chacun fait ce. Ok, très bien. Donc, ok, vas-y, à toi. Alors, question 3. Oui. Question piège. Oui, attention, vas-y. Attention, réfléchis bien. Vas-y. Quel est le numéro de cyborg de Dr. Gero lui-même? Alors, déjà, c'est Dr. Gero. Tu vas pas me la faire en version française. C'est Dr. Gero, ok? Son numéro de cyborg, bah... Ouais. Mais t'as cru que je venais d'où, moi? C'est C20, bien sûr, c'est C20. Bien sûr que c'est C20, mais... Ça, il m'énerve. Cyborg numéro 20, qu'est-ce que tu veux? Et c'est lui qui a créé C17, C18, C16... Vas-y, vas-y. Vas-y, moi, je suis là, moi. Ok, on est là. Vas-y. D'accord, ok. Maintenant, on va passer encore un peu plus loin. Un peu plus loin. Non, je le sens mal. Quel âge a Vegeta la toute première fois qu'on le voit arriver dans Dragon Ball Z, dans la saga Saiyan? Alors, Vegeta, c'est mon personnage préféré. Alors, je sais que à la fin de DBZ, oui, il a... 42 ans, il a 42 ans, oui, à la fin de DBZ, ça c'est, oui, sûr. Oui. Et après, moi je te demande pas à la fin de DBZ. La première apparition. Je te demande la première. Si tu calcules bien les années. Il doit avoir la trentaine, ça c'est sûr, mais après. 3. 3. Ah 2. Ah je dirais. 1. 31. Allez. Il est dégoûté. C'est de une bonne réponse. Yes. Vegeta a bien 31 ans. Hey, tu commences à me saouler. Ah, c'est mon perso. Ouais, on va pas faire une vidéo d'une heure pour un quiz. Ça aurait dû être plié depuis longtemps, normalement. Normalement, je devrais être plié en deux, là.
C'est quoi ça? Comment? Les gars, je vais lui sortir quoi comme question là? Oh! À mon tour, tu te tais. Tu écoutes. Alors, quel est le nom du père de Babidi? Alors, ça c'est facile aussi. Mais non, mais c'est facile. Non, mais t'es sérieux, c'est facile. Bibidi. Bibidi, le sorcier. Bibidi. Vas-y. Tu crois. T'as quoi d'autre? C'est-à-dire, aller comme ça, là, avec sa feuille, là, t'as quoi d'autre? Explique-nous, t'as quoi d'autre? Tu m'énerves. Allez, on va voir. Vu que tu m'as dit que Vegeta, c'était ton perso préféré. Ok? Ouais. Ok, très bien. Logiquement, c'est plutôt assez simple. Comment s'appelle son frère? Ça, c'est facile. Le frère de Vegeta. Il s'appelle Tarn. Ça, c'est trop facile. Bon, ça va, tu connais quand même Vegeta. Et d'ailleurs, attends. Goku et ses amis reviennent. Ça, d'ailleurs, c'est simple. D'ailleurs, je tiens à préciser dans la vidéo, Tarble, les amis, le frère de Vegeta, il y a souvent cette espèce de débat, Tarble non canon, Tarble canon, Tarble et canon, les amis. Effectivement, on l'a vu, comme a pu le dire la Lue Divine, dans l'OAV, Goku et ses amis reviennent, etc. Et même Vegeta, il parle de lui dans le film DBS Broly. Bien, j'ai bien étudié. Elle est pas si bête que ça. Hein, qu'est-ce que tu crois? Ok, vas-y, pose-moi ta question. Vas-y, pose. Vas-y, pose. Alors, combien a de noms Tortue Géniale dans tout l'univers Dragon Ball? Et tu me les cites. Mais pourquoi il y a toujours deux questions? Bah, c'est trop facile sinon. Faut trouver les noms et faut trouver. De toute façon, je vais répondre, les gars. Ouais. Donc, attends, les noms, déjà... Je veux tous ces noms. Les japonais, français... Dans tout l'univers Dragon Ball. Alors... Et déjà, attends, combien il y en a? Normalement, je crois qu'il y en a 4. Il y en a 4 et je vais te les citer. Donc, Tortue Géniale. Ça, c'est facile. Kame Sennin. Muten Roshi. Et en fait, moi, j'ai dit 4... Parce que tu m'as dit tous les noms de l'univers dans Dragon Ball, au tournoi Budokai, il se fait passer pour un certain Jackie Chun. Donc je ne sais pas si tu avais mis 3 ou si tu avais mis 4. Les 3 sur, c'est Kame Sennin, Tortue Géniale, Muten Roshi. Et le quatrième, en gros facultatif, car ce n'est pas sa réelle identité, c'est Jackie Chun. T'as bien répondu, tu m'as dit. Les gars, bien sûr, vas-y. Alors, tu crois quoi? Le créateur de Dragon Ball, c'est pas possible. Vas-y, bon, on monte le niveau. Là, il va me piéger. Je le sens, il va me piéger. Là, c'est bon, ça y est, c'est bon. Bon, c'est vrai, elle a des connaissances. Les gars, elle a quand même des connaissances. Bah, attends, je l'ai vu, je sais pas combien. Très bien. Ok. Krillin n'a pas donné. Pourquoi n'a-t-il pas donné? Alors? Non, c'est pas une vache, vas-y. Pourquoi Krillin n'a-t-il pas donné? Je sais pas, il respire pas. Il respire pas. Il a pas besoin de respirer? Si, il respire, ça reste quand même intérieur à la base. J'en ai aucune idée, attends. Est-ce qu'on s'apprête à être sur une victoire? Laisse-moi réfléchir. Ouais, mais on va pas passer la journée, hein. T'as perdu ou t'as pas perdu? Parce qu'il respire pas, je sais pas pourquoi. Il respire. Il a pas besoin de respirer. Donc les amis, Krillin n'a pas donné, car il a une particularité qui lui permet de respirer par la peau. Krillin respire par la peau. Ah bon? Eh oui, madame. Oh la vache, c'est bien imaginé en tout cas. Akira Toriyama, bien sûr. Donc là, t'as perdu. Non, moi, j'ai pas perdu. Inquiète, t'as perdu. En plus, ça m'a posé 2 questions dans une question. Les gars, voilà. J'ai remporté ce quiz, les amis. Non, c'était Krillin. Un piège, je suis pas d'accord. C'était un piège, Krillin. Qui a dit que Krillin, il était naze, etc. Bam, il a fait gagner un quiz, Krillin. Krillin. Ok, les amis. J'espère que ce genre de vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la partager, je trouve ça sympa, et même pour vous, pour vos connaissances, tout ça, ça peut être intéressant, parce que c'est vrai que le Divine avait tout de même des questions intéressantes. Bon voilà, j'ai essayé de trouver des questions que j'avais un petit peu dans la tête, elle avait carrément fait... Bref, voilà, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche. Ici, c'est la passion de Dragon Ball, on joue beaucoup à Dokkan Battle, Dragon Ball Legends, Kakarot, Fighters, bref, Dragon Ball en tout genre. En tout cas, je vous dis à très vite et n'oubliez pas,
la passion passe après les priorités. Ciao! Ciao tout le monde! Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super! Ah